Samedi 19 mai 2012, à l'occasion de la Nuit européenne des musées, le musée Gallet-Juillet de Creil et la compagnie de théâtre L'Art Matin proposaient un spectacle-jeu autour du thème du cinéma. Vous n'avez qu'une demi-heure pour agir. 30 minutes ! Ce qui est peu. Comment ça va se passer ? Vous allez entrer dans une pièce et c'est vous qui allez diriger le comédien. Un film de guerre. Oh. Parfait. Alors voilà. Auteur. Attention! Oui, maître! Pour dominer la nature, apprends d'abord à lui obéir! Grenade! Le spectacle-jeu, tournage au musée, projetait les visiteurs du musée Gallet-Juillet à la Belle Époque. Les comédiens étaient livrés à eux-mêmes sans metteur en scène. Ils avaient besoin du public pour trouver dans quel film ils jouaient, quel style et quelles intentions ils devaient adopter pour jouer leur scène. En allant à leur rencontre, les spectateurs devaient retrouver le titre du film ou du roman qui correspondait aux scénettes qu'ils jouaient. C'est vrai qu'à l'époque de la Maison Gallet-Juillet, c'était du cinéma muet, donc on n'allait pas faire que des scènes muettes dans les salles. Donc j'ai décidé en fait de choisir des scènes tirées de films qui évoquaient des périodes historiques. Donc ça part du 18e jusqu'au tout début 20e. Au même, on est arrivé à la guerre de 14-18, voilà. La Maison de la Faïence accueillait l'association Atelier 142 qui proposait aux visiteurs de s'initier aux techniques cinématographiques en compagnie d'un spécialiste. Ce soir, l'animation, ça sera avant tout de permettre aux visiteurs de manipuler la caméra, de voir qu'il y a une façon de tenir sa caméra, de faire un cadrage, qu'il y a aussi des paramètres à prendre en compte comme la lumière. La salle des gardes était transformée en salle de cinéma des Frères Lumière, où on revivait les débuts du cinéma en assistant à une projection de films muets accompagnée d'un pianiste. Pour agrémenter les séances, l'association Tropicale Réunionnais de l'Oise proposait bonbons, pop-corn et autres gourmandises. L'association du Cercle d'escrime de Chantilly a bravé les averses pour que le public puisse assister à des démonstrations costumées d'escrime artistique dans la cour de l'hôtel de ville. Nous faisons pas mal de démonstrations et d'animations, demandes des particuliers groupes. Pas tranchantes, pas pointues, pas de danger de ce côté-là. Mais cela reste des armes, donc indirectement nous sommes obligés d'avoir des consignes de sécurité non négligeables. À côté de ça, effectivement, tous les coups que nous portons doivent être arrêtés. C'est-à-dire que nous sommes capables d'arrêter notre coup au cas où il y aurait un problème, puisque même si c'est répété, voilà, ça peut arriver que je fasse la mauvaise parade ou que mon partenaire se trompe d'attaque. Dans tous les cas, le spectacle continue, exactement, mais en sécurité. Mais voilà, vous êtes capables de nous arrêter. Les visiteurs pouvaient également se glisser dans la peau d'un acteur en se costumant pour se faire photographier et obtenir ensuite la photo souvenir en laissant leurs coordonnées au photographe de la ville. Une nuit des musées qui offrait une occasion unique et ludique de plonger dans les prémices du cinéma.